Bonsoir et bienvenue pour le nouveau bulletin météo de ce dimanche 25 août 2019. Attention, pic de chaleur attendu sur la région centre du pays, c'est en tout cas ce qu'affirme Météo France, comme vous pouvez le voir ici. Température estivale ce lundi sur le pays avec un pic de chaleur prévu vers la région centre. On attend des températures de 34 à 35 degrés Celsius en pointe. Ça pourra même déborder vers les pays de la Loire, vers la Vendée et la Loire-Atlantique. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Et attention, encore quelques orages qui resteront possibles sur les départements alpins et Corse. Bien. Commençons tout de suite notre bulletin avec notre lundi 26 août. Notre nouvelle semaine débutera par du soleil sur de grandes régions, sur une bonne partie des régions du pays. Un ciel qui sera donc franc sur une grande partie du territoire. Ça pourra s'éclaircir sur l'arc atlantique et parfois même en s'étalant jusque vers la Seine-Maritime et les côtes orientales. Les températures pour le matin sont déjà très chaudes vers la région centre, 28 degrés pour Angers et pour Limoges, 28 également pour Orléans, 27 pour Paris, il fera déjà très chaud aussi vers la Méditerranée avec 29 degrés pour Marseille, 28 pour Nice et également pour Ajaccio. L'après-midi, le temps sera toujours à l'assèchement avec du soleil et des éclaircies, un ciel qui pourra même se voiler vers la vallée de la Garonne. Et les températures l'après-midi vont flamber, 34 degrés pour Nantes, 35 pour Angers, 33 pour Paris, 34 pour Limoges, 35 pour Orléans, 34 pour Clermont-Ferrand, 34 aussi pour Nîmes, et donc ce pic de chaleur qui pourrait s'étendre hein, jusque vers les Pays de la Loire, avec donc, comme prévu, 34 degrés pour Nantes, par exemple en Loire-Atlantique, ou encore 33 degrés vers la Vendée. Bien, pour votre soirée, le temps sera toujours à l'assèchement, enfin, un temps plutôt clair qui devrait perdurer sur l'ensemble des régions, un ciel qui pourra encore se voiler en allant sur l'arc atlantique et en s'étalant jusque vers les régions méditerranéennes, des ondées pouvant se développer vers la pointe bretonne ou encore vers la côte basque. Pour mardi, le temps sera toujours à l'assèchement sur l'ensemble du globe, c'est un peu trop dire, mais l'ensemble du pays, avec même un ciel qui pourra se voiler sur les trois quarts du territoire, avec des ondées possibles vers le sud-ouest du pays, et un franc soleil qui pourra dominer vers la Bretagne et le nord-est du territoire, le tout sous des températures qui resteront très chaudes et de fortes chaleurs attendu sur le Lyonnais. 31 pour Lyon, 33 pour Clermont-Ferrand ou encore pour Orléans, 32 pour Paris et également pour Angers. Pour mercredi, le temps sera toujours aussi calme avec un temps bien ensoleillé et des éclaircies, des ondées pouvant faire leur apparition sur la pointe bretonne et également sur les départements alpins et corse, parfois même en étant orageuse. Pour mercredi, l'instabilité va prendre place dans la nuit de votre mercredi à jeudi, avec sur la moitié nord a priori des averses, pouvant même s'accompagner d'orages vers la Corse et un temps voilà, qui devrait être plutôt clair hein, sur la moitié sud pour votre nuit de ce jeudi. Jeudi, attention à de l'instabilité orageuse qui sera présente sur l'est du territoire. Sur la moitié ouest, retour au calme avec des éclaircies et du soleil, même en allant vers les Cévennes. Pour vendredi, retour au calme après les orages de ce jeudi et un franc soleil qui va dominer sur un grand quart nord-ouest du territoire et sur l'ensemble des régions même si quand même il pourrait y avoir quelques ondées possibles vers la Corse. Parfois en étant orageuse. Pour samedi, le temps sera toujours à l'assèchement avec du soleil et des éclaircies, des ondées pouvant se développer sur les crêtes pyrénéennes et des ondées également sur les Alpes et la Corse pouvant même parfois être orageuse pour votre dimanche. Le temps s'annonce toujours aussi calme avec du soleil et des éclaircies
Et pareil, hein, des ondées sur les Hautes-Pyrénées et des orages sur les Alpes et la Corse pour lundi. Attention aux orages qui vont faire leur grand retour sur un axe allant du sud-ouest jusque vers le nord-est, parfois même en s'étalant jusque vers la Méditerranée et la Corse. Ailleurs, le temps sera plutôt calme avec du soleil et des éclaircies. Mardi, les orages vont perdurer sur une grande partie du sud du territoire et en montant jusque vers le nord-est du territoire. Ces orages, on pourra en reparler, mais pourront être parfois forts, voire violents, on en reparlera. Et des éclaircies qui se feront de plus belle sur la moitié ouest du territoire. Mercredi, après les orages, retour du beau temps pour tout le monde, des averses pouvant être possible sur la pointe bretonne ou encore vers la Seine-Maritime et vers les Alpes. Pour jeudi, le temps sera toujours à l'assèchement avec du soleil et des éclaircies, encore quelques ondées possibles et les températures vont nettement chuter. Hein, voilà. Auront nettement chuté vendredi 6 septembre. Votre vendredi 6 septembre, a priori, devrait être une belle journée avec du soleil et des éclaircies. Et pour samedi, ce sera également le cas. Pour votre lundi, donc, lors de la rentrée scolaire, eh bien, les orages vont prendre le dessus sur le sud du territoire et en montant jusque vers le nord-est et parfois même vers la Corse. Voilà. Eh ben, on va se laisser comme d'habitude ici, les poteaux, avec lundi suivi pour votre début de semaine de lundi. Avec une lundi qui sera globalement de 6 à 7, voire même jusqu'à 8, en allant sur les Alpes, les Hautes-Alpes et la Savoie. Une lundi modérée vers la Bretagne de 5. Et globalement, voilà, globalement, lundi suivi restera élevé hein, sur de nombreuses régions de 6 à 7 et jusqu'à 8 en allant vers la Savoie et les Alpes. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée à tous, et quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo.